Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Bac S, session Métropole, septembre 2017. Exercice 4 pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Dans l'espace, on considère le cube ABCDEFGH, représenté ci-contre. On note I et J les milieux respectifs des segments EH et FB. On munit l'espace du repère orthonormé A, AB, AD, AE. Question 1. Donnez les coordonnées des points I et J. Question 2A. Montrez que le vecteur N de coordonnées 1, moins 2, 2 est un vecteur normal au plan BGI. Question 2B. En déduire une équation cartésienne du plan BGI. Question 2C. On note K le milieu du segment HI. Le point K appartient-il au plan BGI? Question 3. Le but de cette question est de calculer l'aire du triangle BGI. Question 3A. En utilisant par exemple le triangle FIG pour base, démontrez que le volume du tétraèdre FBIG est égal à 1 sixième. On rappelle que le volume V d'un tétraèdre est donné par la formule V est égal à 1 tiers fois base fois hauteur, où B désigne l'aire d'une base et H la hauteur correspondante. Question 3B. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par F et orthogonale au plan BGI. Question 3C. La droite delta coupe le plan BGI en F'. Montrez que le point F' a pour coordonnées 7 neuvièmes, 4 neuvièmes, 5 neuvièmes. Question 3D. Calculer la longueur FF', en déduire l'aire du triangle BGI. Exercice 4, exercice obligatoire. Exercice de géométrie dans l'espace. Alors, donner les coordonnées des points I et J. Donc on se place dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE. Donc on va exprimer AI, donc vecteur AI en fonction de AB, AD et AE. AI, donc AI c'est égal à AE plus EI. AE plus EI. EI, c'est 1 demi de EH. AE plus 1 demi de EH. Alors pourquoi cela? Parce que I et J, milieu respectif des segments EH et FB. Donc I, milieu de EH, donc EI est égal à 1 demi de EH. Or EH, c'est aussi égal, donc vecteur EH est égal au vecteur AD. AE plus 1 demi de AD. Donc ici, I a pour coordonnées, donc en AB il y a 0, en AD il y en a 1 demi, et en AE il y en a 1. Donc I a pour coordonnées 0, 1 demi, 1. Alors peut-être on va le mettre comme ça, 0, 1 demi, 1. Donc I a pour coordonnées 0, 1 demi, 1. Même chose pour AJ. Donc AJ c'est AB plus BJ, AB plus BJ. Or BJ c'est 1 demi de BF, AB plus 1 demi BF. Or BF est égal à AE, donc vecteur BF est égal à vecteur AE. Donc AB plus 1 demi de AE. Donc J a pour coordonnées donc 1 en AB, 0 en AD et 1 demi en AE. Alors, deuxième question, montrer que le vecteur, donc ce vecteur-là, 1, moins 2, 2, est un vecteur normal au plan BGI. Donc un vecteur est normal au plan, si et seulement si, il est normal à deux vecteurs inclus dans le plan. Donc ici, BGI, BGI, donc on va prendre le vecteur BI et BG. Donc ici, on a les coordonnées de I, donc ça va être, on a dit c'était 0, 1 demi, 1. B a pour coordonnées 1, 0, 0. Et G a pour coordonnées, donc AB plus BC plus CG, AB plus AD plus AE. Donc G a pour coordonnées 1, 1 et 1. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur BI. Donc XI 0,
moins xb 1, 1 demi moins 0, 1 moins 0. Donc bi a pour coordonnées moins 1, 1 demi, 1. Même chose pour bg. Donc bg, c'est 1 moins 1, 1 moins 0, 1 moins 0. Donc bg a pour coordonnées 0, 1, 1. Alors maintenant, on calcule le produit scalaire bi n. Donc c'est le produit scalaire moins 1, 1 demi, 1, 1, moins 2, 2. Moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, plus 1 demi fois moins 2, 1 demi fois moins 2, plus 2 fois 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 1 demi fois moins 2, moins 1, plus 2. Moins 2 plus 2, 0. Donc bi scalaire n est égal à 0. Même chose, bg scalaire n, donc ça va être 0, 1, 1, 1 moins 2, 2, donc là c'est une somme, 0 fois 1, plus 1 fois moins 2, plus 1 fois 2, moins 2, plus 2, c'est égal à 0. Ainsi, n est orthogonal au vecteur bg et bi, inclus dans le plan bgi, donc n est un vecteur normal au plan bgi. Donc n a pour coordonnées 1, moins 2, 2. 1, moins 2, 2. Donc bgi a pour équation cartésienne 1 fois x moins 2y plus 2z plus d égale à 0. Alors b appartient à bgi. B a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc d. Donc on va pouvoir remplacer x par 1, 0 par y et 0 par z. Donc ici, 1 moins 2 fois 0, 0, plus 2 fois 0, 0, plus d égale à 0. Ainsi d est égal à moins 1. Ainsi bgi a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z moins 1 égale à 0. Alors on note K le milieu du segment HI. Alors, i a pour coordonnées 0, 1, demi, 1. H a pour coordonnées, donc AD plus AE, donc 0, 1, 1. Donc, K a pour coordonnées 0 plus 0 divisé par 2. 1 demi plus 1 sur 2. 1 plus 1 sur 2. Donc, K pour coordonnées 0. 3 demi sur 2, 3 quarts, 1. 1 plus 1, 2 sur 2, égale à 1. Donc K pour coordonnées 0, 3 quarts et 1. Alors BGI a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z plus 1 égale à 0. On remplace les coordonnées de K dans l'équation cartésienne. 0 moins 2 fois 3 quarts plus 2 fois 1. Alors si c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 6 quarts, plus 2, moins 1. Donc ici, plus 2, moins 1, ça va faire 1. Donc 4 quarts, moins 6 quarts, moins 1 demi. Alors moins demi, différentes 0. Donc H n'appartient pas à BGI. Alors, troisième question, donc on va calculer l'aire du triangle BGI. Donc pour cela, on va utiliser, donc démontrer que le volume du tétraèdre FBIG est égal à 1,6, donc FBIG. Donc FBIG, donc la base est le triangle FIG et hauteur FB. Donc volume du tétraèdre, eh bien ça va être l'aire de FIG fois FB qui est égal à 1 sur 3. Alors l'aire de FIG, on va noter ici P, la hauteur triangle FIG
issu de I. Sachant que IF est égal à IA, IG. Et IF est égal à IG. IF égal à IG. Parce que I, milieu de EH. Et bien entendu, F, EFGH est un rectangle. Donc I, FIG isocèle en I. Isocèle en I. Donc ici, la hauteur PI est aussi la médiatrice du segment FG. Donc P milieu de FG, P milieu de FG, I milieu de EH, donc PI égale à 1. Ainsi, l'aire de IFIG, c'est PI fois FG sur 2 fois FB sur 3. 1 fois 1 sur 2 fois 1 sur 3. Et là, ça fait 1 sixième. Alors ici, on veut une représentation paramétrique de la droite delta passant par F et orthogonale au plan BGI. Donc si delta est orthogonal à BGI, alors delta a pour vecteur directeur donc delta pour dit vecteur directeur n de coordonnées 1, moins 2, 2. Donc, passant par F, F a pour coordonnées AB plus AE, AF est égal à AB plus AE, donc ça fait 1, 0, 1. Et ainsi, donc, la représentation paramétrique de delta, ça va être x, y, z, avec un paramètre t. Donc, 1, 0, 1, plus t, moins de t, plus de t. Donc, représentation paramétrique de delta, x est égal à 1 plus t, y est égal à moins de t, z est égal à 1 plus de t. Alors, la droite delta coupe le plan BGI en F'. Donc, BGI en F', donc la droite delta coupe BGI en F', par exemple ici. Montrer que F' a pour coordonnées 7 neuvièmes, 4 neuvièmes, 5 neuvièmes. Donc, delta, donc F' est égal à delta inter BGI. Donc, on sait que l'équation cartésienne de BGI, ça va être x moins 2y plus 2z moins 1 égale à 0. Et coordonnées, équation paramétrique de delta, x est égal à 1 plus t, y égale à moins 2t, et z est égal à, donc, à 1 plus 2t. Alors on va remplacer ici x par 1 plus t, y égale à moins 2t, z égale à 1 plus t pour calculer t, et ensuite on va calculer x, y et z. Donc ici, x, 1 plus t, moins 2, moins 2t, plus 2, 1 plus 2t, moins 1 égale à 0. Donc ici, t moins 4t, donc 1 plus t moins 4, plus 4t, plus 2, plus 4t, moins 1 égale à 0. Donc t plus 4t plus 4t, 9t, plus 2 plus 1, 3, moins 1, 2, égale à 0. Donc ici, t va être égal à 2 moins 2 neuvièmes. Moins 2 neuvièmes. Ainsi, x est égal à 1 moins 2 neuvièmes, 9 sur 9 moins 2 neuvièmes, 7 neuvièmes, y égale à moins 2 fois moins 2 neuvièmes, donc c'est égal à 4 neuvièmes, z est égal à 5 neuvièmes, donc 1 plus moins 4 neuvièmes, 1 moins 4 neuvièmes, 9 moins 4, 5, 5 neuvièmes. Donc F' a pour coordonnées 7 neuvièmes, 4 neuvièmes, 5 neuvièmes. Alors, question 3D. Donc, on va calculer la longueur FF'. F a pour coordonnées 1, 0, 1. Et F' a pour coordonnées
7 neuvième, 4 neuvième et 5 neuvième. Ainsi, FF', donc la longueur FF', se calcule avec la formule de distance. Donc, 7 neuvième moins 1 au carré, plus 4 neuvième moins 0 au carré, plus 5 neuvième moins 1 au carré. On a alors ici, donc racine carrée de, donc 7 neuvième moins 1, ça fait 7 moins 9 moins 2 neuvièmes au carré, plus 4 neuvièmes au carré, plus 5 neuvièmes moins 1, 5 moins 9 moins 4 neuvièmes moins 4 neuvièmes au carré. Alors ici, racine carrée de moins 2 au carré, 4, 9 au carré, 81. 4 sur 81. Plus 4 au carré, 16, 9 au carré, 81. 16 sur 81. Plus moins 4 au carré, 16, 9 au carré, 80. 16 sur 81. Donc ici, ça va être racine carrée de, donc 16 plus 16, 32, plus 4, 36. 36 sur 81. Or, racine carrée de A sur B, c'est racine carrée de A sur racine carrée de B. 6 sur 9. Racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 81, c'est 9. Donc, 2 tiers. Donc, FF' est égal à 2 tiers. Alors, pour rappel, FF', donc BGI, donc triangle, FF', c'est la droite orthogonale au plan BGI passant par F. Ainsi, on a calculé le volume du tétraèdre FIGB. Donc, on rappelle que le volume de FBIG est égal à 1 sixième. Donc, le volume de FBIG, eh bien, c'est égal à 1 tiers fois FF' fois l'aire du triangle BGI. L'aire du triangle BGI. Et tout ça, c'est égal à 1 sixième. Donc, 1 tiers fois FF', on avait dit que c'était 2 tiers, fois l'aire de BGI, égale à 1 sixième. Donc 1 tiers fois 2 tiers, 2 neuvièmes, fois r de BGI, est égal à 1 sixième. Donc ici, r de BGI, est égal à 1 sixième fois 9 demi. Alors ici on peut simplifier, donc ça fait 3 demi, donc 3 quarts. Donc l'aire de BGI, c'est égal à 3 quarts.